Rock Shore ce matin sur la Cano. Bonjour à toutes et à tous et bon jeudi. On commence la journée avec un temps qui est couvert, timidement variable. Il peut y avoir de la pluie. La température extérieure est à 10 degrés. La température de l'eau est à 13 degrés. La marée est en train de finir de monter. Le plein eau est à 11h45 avec des petits coefficients de 50. Sur cette marée montante, le vent est offshore établi à sud-est 2 à 3 Beaufort. Le plan d'eau est propre et on a une houle qui est moyenne à longue avec 9 secondes de période orientée ouest-sud-ouest, propre elle aussi en atténuation par rapport à hier soir, mais alors carrément plus petite que prévu. Pas facile d'anticiper la taille des vagues, amorties ou pas par le vent offshore. Ce matin sur les séries, il y a 70 cm, pas plus que ça, donc c'est quand même petit, un peu décevant. Peut-être que par moment c'est un peu plus gros, mais c'est quand même du 50 cm en déferlement régulier. 70 cm aux séries, c'est propre, c'est joli à regarder, pas évident à surfer parce que la houle n'est pas très bien orientée, donc sur la majorité des bancs de sable, ça passe bizarrement. Il n'y a que les tout meilleurs bancs de sable qui proposent des vagues qui arrivent à dérouler un peu, qui sont forcément faciles d'accès, praticables pour tout le monde, délivrant des épaules lisses, un petit peu creuses. L'évolution pour le reste de la journée, a priori, la houle devrait rester stationnaire toute la journée. Le vent va se renforcer sud-sud-est à la mi-journée avant de faiblir cet après-midi, toujours au sud-sud-est, la bouée arcachant 2,20 m et 6 secondes. À 9h50, 70 cm, ou ouest à ouest-sud-ouest, 9 secondes de période, vent est-sud-est à 2-3 Beaufort. À 13h50, 70 cm, ou ouest à ouest-sud-ouest, 9 secondes de période, vent de sud-sud-est 3 à 4 Beaufort. Et à 17h50, 70 cm, ou ouest à ouest-sud-ouest, 9 secondes de période, vent de sud-sud-est à 2-3 Beaufort. Le meilleur créneau, c'est quand même ce matin. Le prochain point, lui, il sera à 8h15. Merci.